Attention, 9 Bravo Charlie 555. Attention, le Québec-Canada pour 14 Bravo Charlie 3301 Rémi sur le Sud-Ouest France. J'ai entendu ces doubles. Eh bien, j'ai vraiment de la chance, tu vois, là. Ah oui, 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 j'ai vraiment de la chance parce que c'était pas gagné, quoi. Ouais. C'est avant ça, bon, j'étais en double écoute. Le web SDR de Calais sur l'antenne quart d'onde, la Sirio GPA 2745, qui est sur un pignon. Le poste sur la Sigma Mantova 8 sur l'autre pignon. Je me suis dit, bon, je vais faire comme ça, je vais être en double écoute, là, au niveau de QRA. Et c'était franchement vide. J'entendais un peu derrière les Espagnols, ces coins-là. Je me suis dit, là, la propague, eh ben, elle a vraiment tourné. Et tu continues à passer super bien quand même au QRA, quoi. Et c'est pour le coup que si on débranchait les antennes, qu'on coupait la propague, que tu arriverais encore à passer. Achidikou. Eh bien, j'ai pas pris de micro parce que bon, je fais quand même attention au WebSDR. Attends, je suis en train de regarder un truc là. Ah si, ça passe petit quand même là sur Ottawa. Mais ça passe quand même. Bon, il y a un souci là, un petit peu là du côté du WebSDR là-bas, là sur Ottawa, mais bon, ça fonctionne quand même. Et non, du coup, j'ai pas pris de micro là, il y a que là, à l'instant, là, c'est tout, pas plus, pas avant. C'est vrai que je me souviens l'année dernière, la propague était partie pas longtemps dans les jours ou peut-être 15 jours ou 3 semaines maximum, je sais plus, du changement d'heure qu'on a eu là de notre côté. Alors c'est-à-dire début avril ou jusqu'à la mi-avril, je sais plus, il faudrait fouiller là dans les vidéos là sur 2023. Mais ouais, je crois que c'est là on est vraiment là sur les sur la fin, quoi. Puisque là, je sais pas. Pour ma part, je veux dire hier, eh bien j'ai attendu. J'ai fait un petit bout de vidéo hier matin dans le push. Bon, parce que j'avais un truc à faire et tout, donc je m'étais arrêté là sur la colline à côté de chez moi là. Enfin là où il y a un croisement, je m'étais mis sur le côté. Je me suis dit bon. La suite, je vais la faire depuis le QRA avec le QSO journalier et rien de mon côté n'est passé, quoi. C'est enfin du côté Québec, hein, je veux dire. Hein. Il y a eu la Guyane, il y a eu hier soir, oui, la Guyane, puisque j'ai entendu, je sais plus comment, AGF. Ah, tu le connais, hein, c'est un vrai animateur radio, lui. Hein. Ah oui, c'est quand on l'entend en fréquence, waouh, il cartonne, hein, le gars. C'est ah oui, il envoie du steak au micro. Hein. Et bon, j'ai entendu lui, mais bon, après plus honneur, si un peu les États-Unis, mais après c'était surtout sur du côté de l'Europe et pas plus. Ok, à de suite. Oups, désolé. J'ai un petit bug là sur le logiciel. J'ai mis sur pause le vocal screen. Et ben, je sais pas pourquoi il a pas aimé. Bon, c'est pas méchant. Dès que Gilles revient, on reprendra la suite.
Salut les 73-51, 14, bravo Charlie, 33-01, le département de la Gironde. Oui, Gilles était là tout à l'heure, mais il a été appelé. Département 01, je suis pas sûr d'avoir bien compris. C'est très très QRP là de mon côté. Les 73-51 retournés. Ouais, ben là, j'étais en QSO là tout à l'heure avec Gilles, donc le Québec passe encore. Bon, c'est pas du tout les jours là maintenant, car on arrive bon sur la fin de cette propague hivernale et puis il fait beau dehors. Il y a un grand beau soleil et tout ça. 23 degrés si je vois bien là de mon côté. Bon, sur le Québec, je sais que ça s'améliore aussi. Donc, il y a, en plus qu'on arrive sur la fin de la propague, il y a d'autres occupations qui arrivent. Achille, retour. Oui, ça a été très compliqué pour te sortir, car j'imagine que ça doit être le Brésil, je sais pas qui passe en même temps. Et en direct, j'arrive pas à t'avoir, je t'écoute via le web SDR d'Ottawa. Donc, heureusement qu'il est là, lui, pour arriver à te sortir correctement. Alors, pour mon QRZ de DX, c'est 14, bravo Charlie, 3301. Voilà, 14, bravo Charlie, 3301. Voilà, et pour le prénom, c'est Rémi, Romeo, Echo, Mike, Yankee, Rémi. Voilà, si j'ai bien compris, la question qui a été posée, ça devait être ça. Comme quoi, là, c'est vraiment ardu, là, de mon côté, pour te sortir, là. On voit bien qu'on est dans la transition, là, au niveau propague, hein. Ouais, j'ai pas vraiment eu Roger. Attends, parce que là pour le coup j'ai un retour de moi dans le web SDR d'Ottawa, je suis obligé de baisser un peu le volume. C'est assez chiant que Gilles soit pas là. C'est bien dommage. J'espère qu'il va revenir rapidement là. Parce que là c'est vrai que là j'ai énormément de mal à te sortir de mon côté. Hein. C'est très compliqué. Tu me connais peut-être plus sous mon ancien QRZDX, c'est-à-dire 14 km 3301, et en QRZ local d'Andy 33. Voilà. Et depuis peu, je suis passé 14, bravo Charlie 3301. Ok. Ok, d'accord, ok. Ouais, apparemment tu m'entends mieux que ce que moi je t'entends. Bon là, j'ai réussi à te sortir correctement là sur le web SDR d'Ottawa, mais là en direct, ça veut pas trop aujourd'hui. Hein. Et tout à l'heure, vraiment, vers midi par là, j'ai entendu l'Espagne. Bon, t'imagines quel énergumène j'ai pu entendre de ce côté-là. Hein, qui a une, poliment, une bouille pas possible au micro, un chi trois coups. Après, bon, ça a tourné sur le Brésil. J'ai reconnu leur façon de siffloter au micro. Puis après, en suivant, là, tout à l'heure, paf, Gilles qui faisait son petit test avec les doubles bips. Hein. Et bon, ben, tac, on a attaqué comme ça dans la foulée, là, jusqu'au moment où il a dû passer juste en QRX. Il revient au plus vite. Hein.
Alors Jean-Luc, non, justement, je me posais la question. Je l'ai pas du tout entendu là encore là. Et c'est vrai que là ces derniers jours, c'était un petit peu compliqué de mon côté là pour faire du QSO. Hier, je pensais avoir du monde en fréquence. Bon, hier matin, j'étais un petit peu sorti, donc depuis le push, je me suis arrêté sur au croisement en haut de chez moi là sur la colline pour voir un petit peu ce que ça donnait. Bon, la propag était surtout sur la partie basse de la bande, donc du côté des 40 canaux. Et là en sup ici, c'était très moyen. Bon, vu l'heure, évidemment, le Québec était encore en train de dormir, hachi. Et hier après-midi, alors là, ça a été le vide complet en direction du Québec, hein, je veux dire. Hein. Par contre, hier soir, j'ai entendu la Guyane avec, je sais plus comment c'est déjà, AGF. Alors lui, on le reconnaît partout. Il passait super bien, c'était génial. 27 540 ou 640, je sais plus, quelque chose comme ça. 27 540 de mémoire. Oui, je crois qu'il était sur cette fréquence-là. Et il était assailli de partout, quoi. Mais autrement, c'est vrai que pareil hier, l'Espagne, l'Italie, c'est tout ce que j'ai pu entendre là hier. Ah, un petit peu sur le poste. Ah, j'ai cru entendre la double bip. Ah, attends, je vais relâcher le micro. Ne quitte pas. C'est vrai que là, c'est très compliqué là pour le QSO. Là. Je crois que Gilles est de retour. Alors je sais pas, j'ai énormément de mal à le sortir, je vais lui repasser le micro. Oups, désolé poisson modulation. Ah ben Gilles revient, il passe mieux au niveau du poste. Je veux dire Pierre. Non, Jean-Luc n'est pas retour en fréquence. Hein. Et puis hier, il m'a envoyé des photos, un petit message, et puis il est de retour à l'hôpital. Aïe. À l'hôpital, son opération a tourné en infection. Il y a une infection là, sur la plaie de son opération, et puis de retour à l'hôpital hier. Ah la vache. En faisant un peu d'humour noir, il est en train de pourrir. Merde, c'est con ça. En espérant que ça se passe bien. Ok, merci pour le retour du micro. Je suis obligé de me coller le. Alors là, j'aurais une caméra de braquer sur moi là. On m'aurait vu là en train de coller l'oreille à l'ordinateur pour arriver à t'entendre.
car en direct c'est assez compliqué. Hein. J'ai quelques brides qui passent au niveau du direct, mais bon c'est pas évident. Hein. C'est vraiment pas évident. Bon, en tout cas, là, de mon côté, côté température, c'est, alors que je regarde bien, 23 degrés, avec un grand soleil, et le printemps est là. Alors, d'après ce que j'ai vu, Gilles, le printemps, c'était le jour du printemps, c'était hier, hein, au Québec, apparemment, le 19, et nous, en France, eh bien, c'est le 20, donc là, ça y est, c'est parti aussi. Ah, ce coup-ci, je l'entends un peu mieux là, quoique, pas évident. Bon, en tout cas, là, tu vois clairement que je suis content de t'avoir en fréquence. Enfin, d'avoir le Québec en fréquence. Parce que là, t'es le premier que j'entends, là, depuis quelques jours, là, du côté Québec. Enfin, ou qu'est-ce que je raconte comme conneries? Oui, je confirme, des conneries. Non, depuis le poste, sur le web SDR, je suis, hein. Bon, là, par contre, j'ai coupé la réception dessus parce que... Bon, je sais pas, là, je suis pas sûr qu'avec la puissance derrière, que ça lui plaise vraiment. Hein. Donc là, la réception est coupée dessus. Je suis que sur on écoute vraiment sur le web SDR d'Ottawa, là, pour arriver quand même à m'en sortir au niveau écoute. Parce que c'est vrai que moi, là, au niveau du QTH, je suis quand même dans un trou. Hein. Là, ces jours-ci, je t'avais envoyé une photo, Gilles, du devant de la maison. Et on voit que le voisin le plus près, ben, il est déjà plus haut que moi, quoi. je suis vraiment dans une cuvette, puisque le bas de l'antenne arrive sur le côté, par exemple, au niveau de la route. Bon, là, dans ta direction, ça va. Là, j'ai un bon dégagement. Ben, si on regarde bien, en fin de compte, le vrai bon dégagement que j'ai, ben, c'est de ton côté. C'est pas fait exprès, mais c'est vraiment de ton côté où j'ai le meilleur dégagement d'antenne. Oh oui, les piles du bagou aussi. Bon, en tout cas, du côté moto, ça y est, tout est prêt. Ah, je m'entends plus trop dans le web SDR d'Ottawa. Ça a chuté. Ouais, de mon côté, la moto, elle est prête. J'ai vu que de ton côté aussi, t'as déjà commencé à faire quelques balades, ou au moins une. Là, non, j'ai pas eu le temps. Je me suis dit, tant que le Québec est en fréquence... Non, le Québec d'abord, la moto après. Mais oui, c'est sûr, hein.
Mais là, tu vois, là, nous, on a de la neige. Ça fait 2 jours, là, mais ça reste pas au sol, hein. Ah, zut! D'accord. Ouais, ben, je veux dire que là, la neige viendrait ici. Elle s'évaporerait vite parce que là, bon, quand même, avec 23 degrés, c'est déjà pas mal. Hein. C'est, ouais, parce que bon, on n'est que le 20 mars, hein, quand même. Hein. Et tant qu'on n'a pas passé début mai, c'est-à-dire au calendrier, la période des Saintes Glaces, on n'est pas à l'abri d'avoir quelques gelées, trucs comme ça, mais bon. Pas aussi fort que ce qu'il y a eu très brièvement de notre côté, quoi. C'est voilà. On va peut-être faire un retour de micro sur Pierre, parce que si tu comptes sur moi pour prendre, pour garder le micro, je vais plus le lâcher, hein. Ouais, ça a chuté. Et je l'entends plus en direct maintenant. Non, c'est pas mieux. Non. J'ai regardé en touchant au DSP pour voir.
Ah, si c'est comme l'année dernière, quelques semaines. Et puis terminé, le temps de passer le changement d'heure. Ah, ça remonte du côté d'Ottawa. Le printemps est là. Il y a eu un break. Ok, donc les 73, bon après-midi à lui. Il y a eu un break vu l'accent du côté de la 9. Ok, 290, 2, oh je sais plus, 264, oh je sais plus, les 73-51 de 4, de 14, bravo Charlie, 33-01 Rémi sur le sud-ouest France, en compagnie du nord de France, 14, bravo Charlie, 33-01, ouais c'est bien ça, en compagnie du Québec, des Laurentides, et du nord de France, en avant la station. Bon, eh bien, je l'entends plus. Oh, la fréquence. Ah, j'entends une station murmurer, je ne sais pas si Pierre arrive à le ressortir. Oh, il passait bien hein, de mon côté. Hein. C'est ma mémoire de poisson rouge qui a fait le reste. Achille trois coups. Et là, je crois qu'il y a le Brésil qui est en train de cogner à la porte. Ouais, c'est que du francophone ici. Hachi. Ah, 14. Attends. Ouais. Il y a quelqu'un qui se signale. J'ai dû faire 10 mètres moi avec les miennes.
ici aujourd'hui, Eric, hein, t'es tombé hier soir. Et histoire de faire, de regonfler les pneus à côté de la voiture. Ah nous ça y est. C'est en fleur. Ok, les 73 51 Eric, de 14 Bravo Charlie, 33 01 Rémi, du côté de Saint-Émilion, le pays des ivrognes. C'est parti en cacahuète sur la fin. Les 73-51 lui, mais bon, vu qu'il change de TX, il doit pas m'entendre. Oh, ça a chuté, hein. Ah si, ça remonte, voilà. Ouais, je disais, effectivement, oui, j'ai entendu ça, là, c'est parti un petit peu en cacahuète au niveau de sa station. Je vais retourner les 73-51, mais bon, vu qu'il change de TX, il doit plus être à l'écoute, là, le temps 2. Bon alors, puisqu'il y a un blanc, les stations qui parlent français, qui veulent un indicatif Bravo Charlie, contactez 3615 Bravo Charlie, 9 Bravo Charlie, 555 Gilles. Bon, ben d'accord. Effet 0. En disant 36-15, c'était censé être une blagounette. Et là, j'ai l'air con. Bon, ben là, pour pas gâchuter. Et en même temps, pour ceux qui viennent dans le QSO, regardez l'heure du QSO pour pouvoir retrouver ça après dans les vidéos. Ah bah là, pour le coup, je me sens tout seul. Est-ce que c'est sur ton côté, Rémi?
Eh bien, j'ai plus personne. C'est devenu des plus silencieux, là, de mon côté. Ah, ok, ok. Bon, on va voir si notre ami sur la Belgique est de retour. Ah oui. Pourtant ça passe. Il doit avoir, allez, dans les 500 kilowatts derrière. Avec mon petit 40 canaux à MFM, là ça va être compliqué là. Ah, je l'entends. J'ai entendu Rémi un peu plus loin, mais on va voir si 16, Papa Lima, voyons, 16, bravo, Charlie, je vous demande sur la Belgique, de retour. Aïe, 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 il est où? Il est où? Il est parti en fréquence. Les corbeaux sont sortis. Quand tu dis les corbeaux,
suis peur de quoi? Avec certains oiseaux qu'on entend sur les ondes. Que l'on retrouve sur les réseaux sociaux. De Montréal. Il est à une trentaine de kilomètres de chez Gilles. Oui, 14, oui. C'est un tout petit 503. Unité 03. Ah, Italie? Non. Oh, j'ai rien compris. L'indicatif. Eh bien, c'est en tête l'IMAX 2000. Pas la MAX 2000, mais l'IMAX. Oh la vache! Alors, mais ça fonctionne très bien pour la IMAX.
C'est une sacrée contrainte, une directive. Hein. Si, en directive, il faut tourner. On fait que ça même. Ben, oui, c'est le but. Je sais qu'elle tient les couvertures de ce côté. Comme il est sectaire. Le DX, ça se fait aussi en vertical. Hein. Oh là là, faut pas être... Faut pas condamner comme ça. Là. Oh là là. Mon rayon de contact est quand même assez grand.
je vais prendre le petit glace côté ici, les stations, donner la chance au sifflet, là, à l'autre bout, là. Je sais pas si c'est pas de blanc qui est avec nous, là. Stéphane. Allez, 62-51, Stéphane. On voit que les conditions sont meilleures aujourd'hui que la dernière fois. Les bons chiffres nous oublient, Stéphane, le 14 avant le mot. 61, mon ami. Et puis, les bons chiffres nous oublient, du QSO journalier. Et puis, les amis tous les gens familiales, comme toujours avec Bison Madame. Stéphane, comment vas-tu? Ah, je ne l'ai pas en direct, hein, pas du tout. Oui, c'est super avec Saint-Watt. L'autre voit que c'est une bonne antenne aussi de ton côté, Stéphane. Toi, tu le connais par cœur, mon Roger Bip. Les 73-51, Stéphane, que je n'entends pas du tout en direct. Hein. C'est, je l'entends via Ottawa, mais c'est tout, pas plus. Donc les 73-51, lui, et bon bricolage dans son garage. Ah, c'est pour toi, Gilles. Paris. Il y a quelques petites brides là. Messenger. Le groupe de discussion des Tannants qui est sur Messenger. Thank you.
Sur ouvert, je sais pas ce que c'est. Peut-être un peu fort là pour la caméra. Désolé si le son est un peu saturé dans la vidéo. Thank you.
plein de monde qui pense par l'art métal. Je vais me retirer, je vais rester sur le côté parce que on dirait qu'il y a 3-4 stations qui. 3-4 QSA maintenant sur ta fréquence, voilà. Ça va pas bien. Ça salue la station, je voulais parler à Gilles, moi c'est Vincent. 9 Charlie Fox unité, 0 unité. Il n'y a pas de souci. Ça rentre bien au Québec. Je suis sûr que Gilles, qui était dans de meilleures conditions, il te reçoit très très bien également. Alors, il n'y a pas de souci, moi je vais revoir à l'écoute. Gilles reprend la partie, comme tu dis. C'est pas évident et les gens ne respectent pas vraiment le QSO en ce moment. Alors, ça va se replacer. C'est beau, Gilles, hein, en passant 73 de fin. Comment il passe bien? Pour avoir appelé, merci beaucoup pour le plaisir, c'est OM, mais il n'y a pas de souci. Alors, Gilles, reprends ça. Oui, alors, le long vert, oui, j'ai compris ce que c'est. C'est VocoScreen qui me met une notification de mise à jour. Bon, ben, c'est pas grave. Ah, Vincent, ça doit être lui qui vient d'arriver. Le micro pour Eric, 14 Zulu Golf 51. 9 Charlie Fox, 101, Vincent. Comme dit Gilles, tout le monde se parle de côté de l'autre, ça fait un peu le bordel, mais enfin. Pour moi, je vous salue, coucou, c'était juste pour aider Gilles tout à l'heure. J'avais une station qui te parlait, Gilles, puis j'ai dit, ouais, il y a peut-être un problème, il y a peut-être un petit souci pour toi que j'ai embarqué. Mais j'aime mieux pas trop m'infiltrer parce que, Gilles, ça dégénère assez vite. Rentrez à la pastille, Gilles, au Québec. Je salue tout le monde en fréquence. Vas-y, Gilles. Et 73-51 de la Gironde. Merci pour le retour de micro. Je restais patiemment derrière pour ne pas surmoduler, puisque bon, en étant en double écoute, ben, au QRA plus sur le web SDR d'Ottawa, ça me permet de voir qu'il y a quand même énormément de monde sur la fréquence là derrière. Donc Vincent qui vient d'arriver, les 73-51, 14, bravo Charlie, 33-01, ex 14 km 33-01, Dandy 33, Rémi, au pays des ivrognes, sur le sud-ouest France. Ok, ben il n'y a pas de souci. Écoute, ça arrive 59, c'est 20 également. Ah oui? Facilement, c'est très large. Écoute, la propagation, c'est vraiment que hier, c'était quand même assez difficile. Les pneus étaient tellement petits, mais on a fait beaucoup quand même de contacts. Écoute, Rémi, il n'y a pas de souci. Ben moi, comme je répète, je ne veux pas qu'il y ait trop de stations qui appellent en même temps. Je vais redonner le contrôle à Gilles. C'est juste parce que je voulais dépanner Gilles avec notre ami Eric qui avait de la misère. Il envoyait un message vers Gilles, ça répondait pas. Mais là, avec Gilles, tu m'as expliqué qu'il y avait une autre station qui rentrait à tout fort. Il y avait un QSO. Ça fait bizarre quand tout le monde se parle un peu par de bord et de l'autre. C'est aussi une station. Quand on a une station. Le QSO des bavards. C'est pas en même temps. Ça coupe le contact, c'est toujours à recommencer. Alors, ouais, ça fait un peu le bordel. Fait que je te salue, Rémi. Il n'y a pas de souci. Bravo, Charlie, 3-3-0-1. Ici, c'est 9, Charlie Fox, unité 0-1. Fait que reprends le micro, Rémi, puis retourne vers Gilles. Moi, je me tiens de côté. Je vais
je vais garder les silences. Je vais juste faire de l'écoute comme je faisais tout à l'heure. Je ne vais pas trop m'impliquer parce que ça fait le bordel. Vas-y, Rémi, puis repasse à Agile du Québec qui est en le groupe des canaux, le QSO journalier, comme il dit. Alors, salut Gilles, salut Rémi, salut Gilles, salut Eric. Reprends ça, Rémi. Merci. Je vais faire beaucoup plus court ce coup-ci en retournant le micro au maître du QSO, au chef d'orchestre, au patron, au dieu de la radio québécoise, et que je te passe la pommade, Gilles, à toi, retour de micro. Ça fait le yo-yo. Merci, oh grand Dieu, que je te vénère de la radio québécoise. Je t'en prie. Les stations sont tous bien calées. Au QRA, je suis obligé de clarifier. Ça, c'est une histoire de largeur de... Ah, je sais plus comment on dit. J'entends plus personne.
Bon allez, parce que ben il y a aussi autre chose à faire. Et ce soir, Gilles, si tu m'entends encore, là je pars pour 3 nuits de travail. Donc je vais passer à mes autres occupations. Les 73-51, 14 Bravo Charlie, 33-01 Rémi, Dandy 33, au pays des ivrognes, à Chitroicou, sur le sud-ouest de France, le département de la Gironde. Donc demain, après-demain, je pourrai pas être en fréquence, sauf si sur la route, si ça le veut bien. Donc bon QSO à toi Gilles, bonne journée, bon gastro solide, bon café. Bon gastro solide pour tout à l'heure, je crois que j'ai tout dit. Non, 212 au QRA également, amuse-toi bien. Ah ben là, la propague, elle a fait plouf. Ou alors Gilles est tombé de sa chaise, parce que je passe toujours sur le web SDR d'Ottawa. Ouais, il doit être tombé de sa chaise. Non, il est parti au confessionnal. Au 318. Bon allez, c'est pas grave. Les 73-51 quand même, 212 au QRA retourné. À tout le monde sur le QSO. Bye, là il faut que je me décide, il faut que je cuirte. Voilà. Je remets en service le web SDR. Donc là, le poste est toujours sur l'antenne Manteau A8, la Sigma Manteau A8. C'est quoi ces trucs que je vois là? Ah, tu as du paquet, hein, tu dois passer. Non. Voilà. Ok, voilà. Ok, bon, dès que je vais couper la vidéo, j'ai un boîtier au mur qui me permet de basculer d'une antenne à l'autre. Donc là, dès que la vidéo est coupée, je débranche le poste, je branche sur la seconde antenne et je bascule, trop tard, et je bascule de la Sirio GPA27 sur la Manteau A8. Bon Gilles, tu retrouveras mes 73-51 dans la vidéo. Donc là voilà. Tac, voilà.
Là, j'ai basculé sur la Mantova 8. On voit pas trop la différence. Ah si. Si, là je suis sur la Sirio GPA 27. Ok, Sirio GPA 27. Là, Sigma Mantova 8. Si, les signaux sont un peu plus forts là quand même. Alors, je suis encore en double écoute là. Tac, là voilà. Là je suis que sur la que sur le web SDR du QRA. Alors voilà, j'attendais qu'il s'arrête de parler. Dessus, puisqu'il y a le rond vert qui est allumé, ça c'est VocoScreen qui me l'a mis pour me dire qu'il y a une mise à jour. Voilà. Il y a un filtre DSP qui s'appelle NR là-dessus. Il suffit de jouer avec le curseur et là il est mis à fond. Ça étrangle, hein. Ah, il est efficace, hein. Alors, chacun se le met comme il veut, hein. La partie du haut, c'est ici. Voilà. Là, j'ai tout remonté, il n'y a plus que ça. Là, double affichage. Bon, scratch. Ici, on change la couleur. On peut jouer sur les curseurs. Hein. Ça, c'est que pour l'esthétique. Hein. Les modes digitaux. Bon, certains sont arrêtés hein, quand même, parce que ça prend énormément de ressources. Tiens, justement, là je vois ça. Là, quelqu'un doit être en train d'utiliser SSTV. Voilà. Et Florida. Alors, au niveau technique, histoire de rafraîchir un petit peu tout ça au niveau du système, parce que là c'est sur un Raspberry Pi 5 qui fonctionne très bien, hein. Mais il y a quand même un rafraîchissement, un redémarrage automatique qui se fait toutes les nuits à 4h30, si je ne me trompe pas, oui, 4h30 du matin, il n'y a personne à cette heure-ci là-dessus. Donc. Rafraîchissement automatique, redémarrage automatique du Raspberry qui permet en même temps de nettoyer au niveau de PON WebRX ce qui était accumulé durant la journée.
Donc tout à l'heure, on a vu le choix des couleurs. Là, on peut jouer sur la transparence. Alors les 73-51 tous. Alors F5240 SWL 14 Bravo Charlie 33-01 Rémi Dandy 33 sur le Castillonnet, le département de Gironde. À plus.